Ces derniers temps, on entend beaucoup parler ou on lit beaucoup l'expression liberté pédagogique. Mais la liberté pédagogique, c'est quoi? La liberté pédagogique, c'est inscrit dans la loi, mais ça n'est pas défini plus précisément. On entend aussi que la liberté pédagogique, ce serait faire ce que l'on veut une fois la porte fermée. Mais cette vision de l'enseignant seul face à sa classe, ce n'est pas celle du SGEN-CLDT. En 2008, dans son enquête sur conditions de travail en collège, le SGEC-CLDT avait relevé que plus de 80% des collègues trouvaient les programmes inadaptés ou impossibles à finir. Les programmes vont être revus, ils doivent être nationaux, c'est une évidence, les mêmes pour tous les élèves sur tout le territoire, mais le ministère doit faire confiance concrètement aux collègues pour la mise en œuvre de ces programmes. Concrètement, ça veut dire en reconnaissant le temps de concertation dans le temps de service, en donnant des responsabilités aux instances, et en permettant aux collègues de choisir les modalités de mise en œuvre.